On attend beaucoup de lui, c'est évident. Il reste sur un quadruplé lors de son dernier match. Ça vous pose le phénomène et le niveau de confiance. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçus. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme vous le méritez. Vous aimez les belles ambiances et le beau football, ça tombe bien. C'est un match de Ligue 1 McDonald's. Le Stade de Reims affronte le PSG. Je suis très heureux de partager ce match avec vous. Parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Oh, ça peut aller au but. Et le ballon renvoyé par le gardien, attention. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Le score qui ne bouge pas grâce à cet arrêt magnifique très tôt dans le match. Suite à cette parade, on va voir s'il y a peut-être une réaction dans son équipe. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort en 6 mètres. Le Paris Saint-Germain qui aborde ce match avec une stat intéressante, c'est la meilleure attaque du championnat. L'équipe visiteuse entretient une relation particulièrement intense avec les buts. C'est très impressionnant. Le ballon renvoyé par Hakimi. Oui, sans commettre de faute. Ah, le centre est donné en retrait, bien joué. Et une reprise de volée. Un peu à la Da Fonseca. Sauf que moi, mon élégance corporelle était bien repartie dans l'espace. Bien sûr. Dembélé. Zaïre Emery. Colomouani à la réception. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Projection vers l'avant pour le PSG. La puissance y était, mais pas la précision. Une bonne occasion, mais ça passe assez loin. Aurelio Buta. Ballon rendu à l'adversaire sur la relance, ça pourrait profiter. Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner ce ballon. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Ouais, pas mal, il est dangereux ce ballon vers la surface. Et le gardien s'empare finalement du ballon. Warren Zaïre-Emery. Et c'est repris par les Rémois. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Verconnet. Oh oui, c'est bien joué. Ouais, l'arbitre siffle pour cette position de hors-jeu. Et ça joue sur Colomouani. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Et Paris avec le ballon pour tenter quelque chose. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. L'ouverture en profondeur. Eh oui, c'est bien vu ça. Eh, ça part très bien. Goal, 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 goal. Et ça y est, ce match est débloqué. Et ça promet pour la suite.
Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et ils viennent ouvrir tout à la défense. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Kolo Muani. Le PSG là qui peut se projeter dans le camp adverse. Oh, la tentative! Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tir n'était pas si loin, mais il a très bien lu la trajectoire. Ouais, ballon par-dessus. Et le tir. Et le gardien s'illustre bien. Le ballon est récupéré. Corner, c'est donc une occasion de s'offrir une avance confortable. Corner. Oh là là, c'est mal dégagé. Oh l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. Oui, à deux, c'est bien fait. Et le ballon vers la surface de réparation. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion! La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau, mais du mauvais côté. Kolo Muani. Et ballon récupéré sur cette action. Kolo Muani. Olé, le bon mouvement. Attention pour égaliser. Elle a frappé contrée. Ouais, Kolo Muani là qui va porter le danger. Oh oui, la frappe et la bonne parade du gardien. Dembélé qui s'applique. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et le gardien qui écarte bien le danger. Une minute de temps additionnel. Et le dribble ne passe pas, le ballon sort. Ouais, le ballon par-dessus. Et voilà, on n'ira pas plus loin, c'est la mi-temps. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Verconnet. Ah, le ballon leur échappe. Verconnet. Il y a du soutien là pour attaquer. Et c'est contré par Marquinhos. Gonçalo Ramos. Le mercato avec un Brésilien. On a entendu l'info un peu partout. C'est un face-à-face à négocier. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision.
Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Zaïre Emery dans la profondeur. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Gonzalo Ramos. Oh, il y a une occasion là. Et c'est au fond, le but de Marco Asensio. Depuis le début, dans sa tête, c'est clair. Je ne dribble pas, je joue en force. Dans l'exécution, c'est parfait. Et avec ce but, score de parité, un partout. Marco Asensio. Aurelio Buta. Et duel remporté, va pouvoir relancer. Et la passe dangereuse de Gonzalo Ramos. Et la course de Marco Asensio. Et très bonne intervention du gardien. Changement demandé, côté Rémois. Ça va vers le point de pénalty. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Le ballon pour Marquinhos. Et ici l'occasion pour mener. Et le but, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match. Son doublé. Il est intenable, insaisissable. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et tu termines l'action dans une grande facilité technique. Une passe filée. Magnifique. Allez, c'est récupéré très haut, ça. Gonzalo Ramos. Aurelio Buta. Attention là, ce ballon par-dessus. Eh non, c'est rendu ça. Ouais, la passe aérienne. Monetti. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Aurelio Buta. Monetti. La perte de balle du stade de Reims. Pour Gonzalo Ramos. Ah, c'est bien parti. Goal ! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. L'écart se creuse de longueur maintenant. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Ensuite, le face-à-face et le ballon bien placé pour tromper le gardien. Aurelio Buta. Aïe, 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 ballon perdu. Peut-être un bon mouvement offensif pour le PSG. On a de l'espace pour en profiter. C'est repoussé par le gardien, oui. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et bien fait, attention à l'occasion. Et ballon renvoyé, l'action continue. Quel arrêt splendide, énorme réflexe. Et oui, en plus à cette distance, c'est grandiose. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Superbe intervention, sans faute.
L'arbitre demande aux équipes de poursuivre, mais pour les supporters, c'est clair, il y avait faute, donc pénalty. Bien joué, la passe pour créer le danger. Et le ballon change de camp. Et l'équipe peut jouer le contre. Et la passe dans le dos de la défense. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. L'équipe a été supérieure dans sa capacité à être enthousiaste devant le but. Et elle a réussi à concilier l'urgence et la précision. Ces deux buts d'avance racontent la vérité de ce qu'on a vu. Le drapeau qui s'est levé, hors jeu signalé. La passe a été donnée trop tôt. Ça ne lui a pas laissé le temps de se replacer. Le PSG qui va faire un changement. Et Marco Asensio sur la ligne, il peut avancer. Gonzalo Ramos, très bien défendu là. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Attention, l'occasion pour revenir. Un tir en force, Pepinazo, mais ça part loin du but. Là, c'était plus difficile de rater que de marquer. L'arbitre signale la fin du match. À l'instant, c'est terminé. Donc aujourd'hui, Paris remporte les 3 points. Toujours cette volonté de fabriquer du déséquilibre, de donner de l'air, de la liberté aux artistes. La force de cette équipe, c'est son efficacité offensive.